qu'il achète. Je suis absolument scandalisée. Ouais, eh ben, elle est vraiment ignoble, votre émission à Babu. Ben, allô. Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud, ce Babu, je le déteste. Pauvre France. Faut que ça suffit comme ça. Vous écoutez C'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy. Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine avec un plateau des plus prestigieux. Aujourd'hui, d'abord, je voudrais qu'on accueille une nouvelle co-animatrice. Je rappelle qu'on fait un casting chaque semaine. Et là, on a découvert Pascaline Selem, qui n'est autre que la sœur de Pascal Selem. Oui, enfin, nous sommes utérins. Ce qui veut dire à peu près la même chose. Non, Pascal, ça va pas le faire. Ça va pas, non. Si tu veux, non, il faut vraiment prendre une voix aiguë, sinon les gens ils vont voir que c'est toi. Ah, et ça fait copinage à la con. Ouais, c'est vrai. Vas-y, prends une voix aiguë. Oh, mais là, ce matin, j'ai mangé du Barry White au petit déjeuner, donc ça va être dur. Bon, alors comme ça va? Non, plus aiguë. Plus aiguë, comme ça? Oui. On est d'accord, alors on y va comme ça. Allez, vous écoutez, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Non, mais Pascal, c'est pas assez féminin. Là, c'est dessin animé. C'est canard. Et nous accueillons Marthe Mercadier. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Roland McDan. Ouais. Et quand on n'a pas de peau, où est-ce qu'on se met? Igor et Grishka Bogdanov. Ouais. Alain Bouzic est passé par là par hasard. Ouais. Et Pascaline Selem. Chacun connaît le principe du Mr. Chatch? Oui. Paulette, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Paulette, que vas-tu faire pendant une heure pour gagner le beau cadeau? Je vais radoter pendant une heure mes histoires. Quand j'étais jeune, petite, c'était dur, très dur quand j'étais petite. Alors, ça c'est en hommage à Marthe Mercadier qui a sorti un bouquin extraordinaire. Marthe, qui s'appelle « Pète-moi le col du fémur » aux éditions du Fion. Alors, c'est ta vie, ton œuvre. T'es un bout de bonne femme extraordinaire et tu es immarcessible en ce sens où tu ne vieillis pas. Tu ne te flétris pas. Merci. Tu devrais mettre des lunettes. Non, mais c'est vrai, tu rajeunis de jour en jour, Marthe. C'est gentil, on va parler de ton bouquin longuement. Jean, bonjour. Oui, bonjour, Laurent. Que vas-tu faire pour piquer le beau cadeau à la vieille? Ah ben, aujourd'hui, je vais dire à la vieille de bien fermer sa gueule. Ça donne quoi? Ça donne un truc genre, ouais, bah pourquoi les Allemands, ils sont pas allés avec toi en 45? Non mais attends, 5 secondes, alors, la vieille, tu peux pas laisser la place à la jeune génération un peu? Alors, tu boucles ton dent. Alors, Marthe Mercadier, donc ton bouquin, oui, pète-moi le col du fémur, d'où t'es venu le titre? Ah, j'adore le nouveau titre. Ah ben oui. Qui a été un peu expurgé par l'éditeur. Pourquoi cette censure? Ils n'ont pas osé. Je jubilerai jusqu'à 100 ans. Oui. Tu jubiles, tu kiffes la vie, tu kiffes ta race. Oui. Et alors, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? D'où te vient une telle joie de vivre? J'ai eu la chance de survivre, mais c'était pas évident. Non, surtout avec les Allemands. Hein. Partout, les accidents, les machins, enfin bon, bref. Et finalement, avec les années, j'ai la chance de survivre et je savoure. Je savoure cette chance, c'est tout. Oh, ça faisait mal, ça faisait très mal. La vie était dure à l'époque, c'est plus comme maintenant. Ah ouais, ils ont dû bien te passer dessus, là, avec le char d'assaut et tout. Alors là, tu vas faire pareil. Alors, Marc, tu as fait 10 000 choses dans ta vie, je vais te faire un quiz, fait ou pas fait. Oh la vache. Fait ou pas fait quoi? Bah, je vais te dire justement, tu vas me dire fait ou pas fait. Alors, acheter une Harley Davidson, fait ou pas fait? Ah, j'ai fait. Tu as une Harley? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et tu l'as conduit? Mon père avait une Harley Davidson. J'ai eu une Harley Davidson. Mon père a fait mon père a reçu un obus avec un Harley Davidson. Donc il a été infirme. Moi j'ai pas reçu l'obus, mais j'ai continué avec la Harley Davidson. La meilleure émission de la semaine. Mais est-ce que c'est vrai que ça donne la maladie d'Alzheimer, ces motos? L'Harley Davidson? Parce que souvent on dit je ne reconnais plus personne. Ah bah je ne reconnais plus personne. En Harley Davidson. Ah, on t'a dit que je reconnaissais. Non, mais c'est la légende de la moto. Non, pas du tout. Bardo, c'est Bardo. Est-ce que tu as sauté déjà en parachute? Fait ou pas fait? Sauter en parachute? Ah, sauter en parachute, oui, ça j'ai sauté. Tu l'as fait aussi? Ah oui, j'adore. C'est un moment. J'ai pas sauté toutes les semaines, hein, attention. Non, non, mais c'est un moment extraordinaire.
Et j'étais ravi d'avoir accepté, d'avoir... Combien de fois tu l'as fait ? On m'a facilité ça. On t'a poussé, quoi, c'est ça ? Non, on m'a pas poussé. On m'a pas poussé du tout, j'ai sauté. On va sur la porte et on va pousser. Alors, du trekking dans l'Himalaya. Oui. Fait ou pas fait ? Dans l'Himalaya, non. Monter jusqu'au Sacré-Cœur sans prendre le funiculaire. Oui, ça j'ai fait. Bah, c'est une sorte de trekking. Hein. Bah oui. Coucher le premier soir, fait coucher ou pas fait? Coucher le premier soir. Non. Jamais? Non. Et vous faites quoi ce soir? Non. Il serait temps? Non. J'aime pas la précipitation. Non. Retrouver ses premières amours. Ah oui, j'aime bien. Aller dans un club échangiste. Oh non. J'aurais tellement le fou rire. Elle fabrique des images. Là. À voir les mecs s'enfiler les uns les autres. Il y a des trapézistes qui travaillent sans filet aussi. J'aurais pas pu me tenir. Là. Un livre de cuisine. Ah oui, ah bah j'ai fait Bocuse, Trois Gros, Philippe, ah non, ça j'ai 150 épisodes avec les quatre les plus grands cuisiniers. Ça a été le bonheur. Gueule, ta le gueule. Bonheur. Mais la vieille, mais la grande cocotte, la grande gueule. Cocotte, ça s'appelait. Prendre un bain de lait d'ânesse. J'ai pas su exactement si c'était du lait d'ânesse. Mais tu l'as fait. Mais ça ressemblait à du lait. Non, alors, non, taisez-vous tous. Tu ne confonds pas avec les jacques faciales ? Non ! Non ! Le lait d'ânesse, je sais pas, mais j'ai... Il faut pas lui tendre la peur. Oui. Une pub pour Stéradent, fait ou pas fait ? Une pub pour... Stéradent. Les dents ? Pour que les dents restent collées, ouais. Bah, non, les pubs, ah non. Non, une pub pour Audica. Non, mes dents sont tombées sans pub. Audica, t'as pas fait ça? Les? Une pub pour Audica. Ah oui? Oh, mais attends, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis armé pour Audica. Une tout pub bien. Pour les couches confiance. Ah non, pas encore, mais je les attends avec impatience. Fumer un pétard, fait ou pas fait? Fumer un pétard, bien sûr. Casser sa pipe. Casser sa pipe, bah j'attends. J'attends, je casse ma pipe quand on veut. Mais quand on veut. De fidélité, il m'a dit non. Pas encore à l'hôpital. Et notre vie, elle était dure. Anthony, bonjour. Pas sur le coup. Fabien, bonjour, ta ça question. Ça y est, je suis sur le coup. Bonjour tout le monde. Moi, j'avais une Aline. Moins fort. Jean-Christophe. Oui, bonjour. Ça y est, ça part en sucette. Non, Marc. Oui, bonjour. Promo. Simon, bonjour, ta question. Oui, bonjour. Simon, ta question. Oui, bonjour, j'avais une question pour Romain Magdad. En fait, mes grands-parents, ils l'ont croisé au casino de Berck. Et bon, certainement qu'il perdait, mais il était très agressif et méchant. Pourquoi ? À quel rayon ? J'aime pas qu'on me fasse chier quand je joue. Laisse-moi perdre mon pognon. Tu joues à quoi, Roland ? C'est rare quand je suis dans un casino, mais c'est vrai que de temps en temps, quand je fais un petit spectacle, j'ai pas vraiment suivi ce que tu m'avais dit. Mais oui, il s'avère que je joue, je mets 2-3 pièces comme ça pour déconner. Et qu'il y a toujours des gens qui viennent t'emmerder au moment où tu es en train de perdre. Tu perds 100 euros et les mecs, ils viennent t'emmerder. Pour faire une photo, et on n'a pas le droit de faire des photos dans les casinos. Surtout avec une fausse moustache. Enfin, oh. Plus, exactement. Pascaline, quelles sont les promos respectives de nos invités ? Alors, Marthe Mercardier vient pour la sortie de son livre « Je jubilerai jusqu'à 100 ans » chez Flammarion. Et Roland McDan vient pour la sortie du DVD de son spectacle « Attention, c'est chaud » et une tournée 50 représentants exceptionnels au Palace du 18 janvier au 11 mars. Et Igor et Grishka ont sorti un bouquin formidable. Oui, voilà. Le dernier jour des dinosaures, un bouquin, mais c'est pas un bouquin, c'est une œuvre d'art, et il ne coûte que 32 euros. Comment vous vous en sortez financièrement ? Mais finalement, ce sont les dinosaures eux-mêmes qui perçoivent les droits d'auteur. Donc, tu vois, tout non, ça, mais c'est un bouquin, on peut... Ça repart 65 millions d'années dans le passé. C'est un bouquin, on pourrait le trouver à 80 ou 100 ou 800 euros, tellement il est beau. Oui, c'est vrai, mais au fond, bon, y a beaucoup de passion là-dedans. Comment est-ce qu'il est venu, ce bouquin ? Tout simplement de la rencontre entre nous, auteurs, et... Mais ferme ta gueule, la vieille, mais ferme ta gueule ! Mais tu vas la fermer, ta gueule ! Tu te drogues, Marthe ? Je me drogue au bon vin, oui. Tu prends de la DHEA ? Ah non, le bon vin, moi j'aime le bon vin, j'aime l'alcool, j'aime... Oui. Alors, tu préfères l'alcool ou la baise ? Les deux, je préférais les deux. Et maintenant, je me tiens à l'alcool. Ah bon ? Il n'y a pas de sexualité chez les seniors ? Non. Enfin, non. Moi, je n'ai pas de sexualité chez les seniors. Là, alors, surtout pas. Surtout pas. À quel âge on arrête la sexualité, Marthe ? Oh, je ne sais pas. Parce que, pardon de te couper, mais
chez les personnes âgées, chez les hommes, il y a un petit problème technique, bon, qu'on peut maintenant régler avec le Viagra, mais chez les femmes, il suffit d'être accueillante. Tu pourrais encore avoir une sexualité. Non, pas du tout, je ne suis pas accueillante du tout. Ne pas compter sur moi pour l'accueil. Elle fait un bras d'honneur. Aline, bonjour, ta question. Bonjour, alors j'ai une petite question pour Marthe. Oui. Alors, bonjour. Je sais que vous avez pris part activement à la lutte contre l'occupant en rentrant dans la résistance française. J'aurais voulu savoir quel a été votre rôle. Mon rôle? Oui. Oh, j'avais pas de rôle. C'est expliqué dans le livre, si, tu avais un rôle. Oui, quand même. j'avais un rôle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait tellement de gens arrêtés, morts, enfin bon. On a demandé aux mômes, aux parents des enfants de dire, eux, au moins, ils vont passer, on va jusqu'au moment où ils pourront encore passer. On va se faire chier au montage, voilà, hein. Voilà. Alors, on a couru, on a été sur une bicyclette, on a été à pied, on a été, voilà. Et on a aidé, et on a, là, on avait des petits fromages de chèvre avec un truc en dessous, avec un message en dessous. Ça les a bien fait chier, fromages de chèvre. Ils ont repoussé l'ennemi à coups de fromages de chèvre. On allait porter les fromages à la grand-mère. Tu vas la fermer, ta gueule. Ferme ta gueule. Marthe, je vais vous poser des questions, tout le monde va jouer sur des super mamies, vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Une dame de 80 ans a participé au dernier championnat du monde de tennis. Faux. Bien sûr, vrai. C'est vrai. Une grand-mère a fêté ses 91 ans en sautant à l'élastique. C'est vrai. Non. C'est faux. En parachute, oui, mais non. Parachute, pas vrai. À mon avis, c'est vrai. Pas vrai. La jambe, elle reste. C'est vrai. L'élastique n'était pas de bonne qualité. Non, mais les restes ont été retrouvés sur deux départements. C'est ce que je dis, l'élastique n'était pas de bonne qualité. Une grand-mère souffrant d'Alzheimer est décédée après avoir oublié d'ouvrir son parachute. Moi, ouais, c'est un banjo. C'est faux, mais c'est joli comme idée. Ah, ce serait une belle fin. Je l'envie. Ces dernières paroles ont été, j'oublie un truc, mais je sais pas quoi. C'est faux. Après avoir sauté à l'élastique, c'est la même, en parachute et en parapente, une nonagénaire s'est essayée au fist-fucking. Elle n'a jamais retrouvé sa coudière. Ça, c'est vrai. C'est sa famille. Ça arrive souvent. C'est lui, il a tout de suite dit c'est vrai. Il a tout de suite dit c'est vrai. Alors, il faut l'écouter. Eh ben, c'était vrai. Eh ben, voilà. Eh ben, il avait raison. Et voilà. Une mamie s'est fait poser des implants mammaires avec des bonnets F pour plaire aux jeunes. C'est vrai. Ah, peut-être. Ah, c'est possible, une milliardaire, peut-être. Tu as essayé la chirurgie esthétique, Marthe? Non. J'ai eu la gueule cassée, mais ce n'était pas esthétique du tout. Et qu'est-ce qui t'arrive, un accident de voiture? Oui, aussi. Et puis une chute. Une chute, voilà. Enfin, j'ai des cicatrices. Une chute, t'es tombée comment? Mais c'est du premier étage. Alors, évidemment, ça mais fait... comment on peut tomber du premier étage? La Gestapo, là. On garde pas. Avec les escaliers, le vélo, tout ça. Mais tu joues mais petit bras. Mais suis un peu. Quand t'as les invités, ils te racontent des histoires. Sur un fromage de chèvre. La Gestapo, tu sais bien. Marc, tu seras jamais dans le Guinness Book. Mike Brown, c'était du 7e, t'as pas d'ambition. Je ne suis pas une héroïne. T'es en forme, l'auteur contemporain? Ouais, c'est un auteur contemporain. Une octogénaire se déguisait en Bernadette Chirac pour voler les boîtes de pièces jaunes. Très bonne idée. Hein. Très bien, ça. Ouais. Très bonne idée. Oui, hein. Ah oui. Eh ben, c'est faux. Une femme de 86 ans a été arrêtée après le viol de deux légionnaires. Qui violait qui? L'octogénaire a violé deux légionnaires. Peut-être. Ah, moi, je dirais peut-être, oui. Peut-être, oui. Eh ben, c'est faux. La personne la plus âgée de Facebook a 102 ans. Ouais, c'est vrai. Ouais, facile. Tu chattes, Marthe? Pardon? Tu chattes, Marthe? Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que tu chattes? T'as un ordi, tu chattes? Non. Non? T'as Facebook? Non. T'as Internet? Twitter? Non. Tu tweets un peu? Oui, un peu, oui. T'as une poste près de chez toi? Oui. Je suis pas déchaîné. Un PET? Il y a bien un PET. On fait ça pour moi. Rachel, bonjour, ta question. Oui. Oui, bonjour. Alors, une petite question pour Marthe. Est-ce que depuis votre participation à Danse avec les Stars, vous continuez à danser en loisir? J'ai dansé toute ma vie. Eh bien, changez maintenant. J'ai dansé, je n'arrête pas. Quand je tombe, je me remets en forme et je commence à danser. Elle tombe souvent, Marthe. Non, mais tu as épaté la France entière, Marthe, avec ta jeunesse, ton courage et puis ton grand écart. Oui. Il paraît que ça faisait ventouse sur le parquet. Oui. Ah, c'était étonnant. J'ai adoré. Cette aventure m'a fait hurler de rire. Lucille, bonjour, ta question.
Bonjour Laurent, donc j'ai une question pour Roland McDan. Donc dans votre nouveau spectacle, vous parlez de sexe, et en fait, je voudrais savoir pourquoi vous n'en avez pas parlé dans les spectacles d'avant. Retire cette moustache, Roland. C'est affreux, avec mon sexe, ça fait rien personne. C'est pas comme ça, ça se fait. Moi, je n'ai pas eu la naissance, hein. Il a fallu que ça pousse. Voilà Marie-France. Merci, je sais bien. Les réponses. Vous écoutez, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy ? Ouais ! C'est quoi ce bordel avec les frères Bogdanov, Marthe Mercadier, Roland McDan et Alain Bouzic ? Ouais, bravo ! On allait couper nous-mêmes le dimanche après-midi pour faire la cheminée. On coupait le bois, on n'avait pas le chauffage. On n'avait pas d'eau. Ta gueule, dur, ta gueule, la vie avant. Ta gueule, putain, putain, les champs, les trous, les brettes. Christophe, bonjour, ta question. Bonjour, j'ai un... Tu appelles d'une voiture ? Ouais, tout à fait, ouais. Pierre-Alex, bonjour, ta question. Oui, tu n'es pas sur le coup. Non ! Jean-Christophe, bonjour, ta question. Bonjour, j'ai une question. Tu rappelles d'une voiture ? Jérôme, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, bonjour à tous, j'ai une question pour les frères Bogdanov. Alors je vais te dire un truc, c'est propre, on t'entend, tu es sur le coup, déjà, un cadeau ! Ouais ! Ouais ! Tu as gagné un panier de merde. Bon bah oui, c'est pas très sympa ça. Non, mais alors je t'explique. Le panier à merde, c'est des merdes qui traînent à Rire et Chanson, des vieux DVD, des... Par exemple. Enfin, surveille ta boîte aux lettres. Ta question, Jérôme. Alors j'ai une question donc pour les frères Bogdanov. Vous voulez leur demander, est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un dans l'espace sans un entraînement spécifique ? Bien sûr. Tous les jours au réveil. Roland McDan. Bon. Bravo. Voilà. Marthe, elle est contente. Tu te poses beaucoup de questions, mais maintenant tu te les poses sur scène. Oui. Mais tu poses que des questions ou tu apportes des réponses pendant le spectacle ? Non, aucune, c'est ça la baisse du spectacle. On parle beaucoup de couple. Vincent McDoom, il lit le Figaro Magazine ou le Figaro Madame ? Vraie question. À ton avis, Marthe ? Je sais pas, faudrait lui demander. En attendant, oui. Quelles sont les autres questions que tu te poses ? Pourquoi le pape il se promène toujours derrière des vitres blindées ? Si le paradis c'est si bien. Pourquoi il a peur d'y aller ? Bonne question. Alors pourquoi le pape il se promène derrière des voitures blindées ? Est-ce que le pape il est blindé ? Non, mais allô ? C'est pas le pape. Vincent ? Oui ? Salut, c'est Laurent Baffy. Comment vas-tu, Lolo ? Ça va et toi ? On est à la radio. Merci. Vincent, on est à la radio. On est à la radio. Sur Rire et Chanson. Donc, on a invité Roland McDan qui nous a posé une question qu'il se pose lui-même et qu'il voudrait te poser. Bah écoute, souhaite-moi bon anniversaire d'abord. Bon anniversaire. Oh bah si, bon anniversaire. Bon anniversaire. Tu as quel âge ? Merci, j'ai 46 ans. Ça va. Bon, oui. Ça va. Ne fais pas. Roland va te poser la question qu'il se pose. Non, parce que, non, il faut l'expliquer comment c'est venu cette affaire. C'est-à-dire que dans mon spectacle, je me pose des questions aussi cons que pourquoi le pape il se promène toujours derrière des vitres blindées alors que le paradis, est-ce que c'est si bien que ça ? Et la question que je te pose, c'est est-ce que tu lis le Figaro Magazine ou est-ce que tu lis Figaro Madame ? Je lis le Figaro Madame. Voilà. Je suis content. Comme ça, je pourrais donner la réponse au public. C'est super. Bravo. Super. C'est on super sympa et bon anniversaire. On t'envoie ce que tu veux. Un canard vibrant, parce que. Voilà, un canard. Voilà. Oui, je t'envoie un canard vibrant offert par passagedudésir.fr. Sans problème. On t'embrasse et bon anniversaire. Bon Vincent. Bisous, Vincent. Bon anniversaire. Merci, Lolo. Merci, bisous, Vincent. Ciao. Salut, bisous. Bye bye. Alors, une autre question que tu te poses que j'adore. Est-ce qu'un mec qui se masturbe devant un film porno, on peut dire qu'il fait un karaoké ? J'aime à ton bien. Avis, Marthe ? Vas-y, pose-lui la question. Est-ce qu'il y a un homme qui se masturbe ? Oui. Oui, alors ? Devant un film porno ? Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il fait un karaoké ? Oui, et non, on ne peut pas dire. Non. Elle est bien. C'est un peu ça, quand bien, même. Celle-là. Si c'est on peut le dire. Un karaoké. Quand même, c'est un peu ça. Hein. Ouais, un peu ça. Un pouls sur la tête d'un chauve, c'est un sans-abri ? Ah oui. Elles sont bien ces questions. Ah oui, sans cheveux fixes. Ça c'est drôle. Bah c'est au début du spectacle comme ça met tout le monde à l'aise. Tiens, quoi tes blagues capillaires ici sur la tête d'un chauve, ça met tout le monde à l'aise. Bah oui. Ça c'est sûr. Ta sœur a surpris tes parents au lit. Oui. Comment ça s'est passé ? C'est-à-dire qu'elle voulait toujours savoir comment on faisait les enfants. Alors ma mère elle a ras-le-bol, elle lui a dit écoute là ton frère on l'a trouvé dans un chou-fleur, toi on t'a trouvé dans une rose. Et le soir, pas de peau, elle rentre dans la chambre de mes parents, par inadvertance bien sûr, hein, elle les trouve en pleine action, là,
Elle a regardé mon père, elle lui a fait alors, on jardine. Mais c'est pas le pire, c'est que quand elle est sortie, quand elle est sortie de la chambre de mes parents, elle m'a dit, quand je pense que maman veut m'amener voir un psychiatre parce que je suce mon pouce. Alors, il y a un sujet sur lequel je suis d'accord avec toi. Quand tu parles du poil de cul dans les hôtels, même dans les palaces, il y a toujours un poil de cul dans la baignoire. Ah ben c'est la première chose que je fais moi quand j'arrive, je cherche le poil de cul. À croire qu'il y a une femme de chambre qui a une boîte avec des poils et qui vient le rajouter exprès. Mais c'est ça. Une fois que la chef est passée à regarder que le ménage est bien fait, hop, par derrière, elle dépose un poil de cul. Il y a des hôtels qui coûtent quand même un bras où tu peux t'attendre à une certaine propreté. Oui. Oui, tu as un hôtel, tu vas nous... Non, mais c'est un sujet qui me taraude et je suis content que tu en parles parce que je me sentais très très seul quand je parlais de ça. Et je ne suis plus seul, tu en parles aussi. Mais pour moi, je collectionne les poils de cul. On peut toujours rêver. On peut toujours rêver, comme dit Marc. T'as un poil de cul et puis de rêver là. T'as une grosse gueule. Alors, c'est une émission de radio qui va passer, ça? Non, c'est interne. Ah bon, c'est interne à la radio, ça sort pas d'ici. Simon, bonjour, ta question. Oui, bonjour, j'aurais une question pour les frères Bogdanov. Tout à l'heure. David, bonjour, ta question. Oui, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. J'ai une question pour les frères Bogdanov. Tout à l'heure. Guillaume, bonjour, ta question. Alors, je vous explique. Marc, très gros dossier. Oui. Le dernier jour des dinosaures. On va pas expédier ce plateau comme ça. Ah non. Les Bogdanov répondront dans le futur. Tellement c'est pas prévu comme ça. Il y a un monsieur qui sur internet vend à 33 tours de Roland McDan avec 10 petites histoires. Ça coûte 3€. Tu veux racheter ton disque, Roland? Ah, moi je rachète. Allez, tout, je les ai pas, oui, bien sûr. Oui, ça va, 3€. À 3€? Non, mais attends, j'achète, t'es fou, j'achète tout, moi. Bonjour. Alors, il paraît que vous avez un... Bonjour, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, je vous appelle pour l'annonce. Vous vendez un 33 tours de Roland McDan? Oui. Mais pourquoi vous le vendez, ce disque? Parce que je désire m'en débarrasser, c'est tout. Vous êtes gentil, mais il est bien. Il est en bon état, oui. Oui, vous l'avez jamais écouté. Mais si, bien sûr. Mais c'est un disque. C'est quel numéro? C'est parce qu'il en a fait plusieurs. J'en ai deux. Ah, il y en a deux. Pour 2,50, ouais. Vous me donnez les deux? Ah, sûrement pas. Je suis pas le Père Noël, hein. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Mais vous êtes très sympathique, mais 5 euros les deux, ça va? Vous payez comment? Ah ben, cash. Ouais. Je vous envoie par la poste cash. Ah bon? Ah ben oui, on va pas s'emmerder avec les impôts, hein, je vous le dis. Hein. Oh là, bon. Tu rigoles derrière. Non, je suis Roland McDan. C'est pas une blague. En fait, je suis avec Laurent Baffy dans son émission. Vous écoutez Rire et Chanson? Non, jamais. Bon ben voilà, vous écoutez pas Médis, vous vendez Médis, vous écoutez pas Laurent Baffy et vous avez actuellement Laurent Baffy et Roland McDan. Et Pascaline. Bonjour, quel est votre prénom? Roland. Roland? Oui. Attends, Marthe, elle a fait. Allez Laurent, on va partir du 18 janvier au palace, t'es invité. Voilà. D'accord, ben envoie-moi l'invitation par internet alors. D'accord, à bientôt. Voilà, merci, au revoir. Bon, ouais. Ouais, au revoir. Hein. T'arrêtes de me passer des mecs. Oh, s'il te plaît, là. C'est le meilleur moment de l'émission. C'est quoi cette voix, Pascaline? Ah, c'est pas mal, les petites annonces. Hein. Oui, c'est très, très bien. J'adore ça. Ouais. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui vend une poussette pour jumeaux. Avec Huit roues. Voilà, c'est excellent. Une poussette pour jumeaux avec Huit roues, bien sûr. Retenez vos âges. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. En fait, j'ai vu une petite annonce dans laquelle vous proposez donc une poussette pour des jumeaux. Oui, j'en vends une, oui. Mais comment, une ou deux? C'est une poussette jumeaux. Oui, mais elle est double. Il y a deux nacelles avec. Mais elle est double, c'est bien ce que je disais, oui, donc. Elle est double, oui. Elle est double. Et le prix, il y a 8 roues. Ah non, 4 roues. 4 roues, donc elle est double, mais c'est moitié prix ou pas? Non, c'est 4 roubles. Elle vient de te dire le prix. Vous la vendez combien, là? 300 euros. 300 euros? Par roue. Mais non, mais c'est trop cher. Vous pouvez pas me faire un petit prix? Non. On l'avait déjà acheté très, très cher. Combien? Et on combien? En déteste pas. 589 euros. Mais en plus, à l'échographie, ils se sont rendus compte après qu'il n'y en avait qu'un. Ça a dû être une mauvaise surprise pour vous. Non, mais la poussette, vous pouvez venir la voir, la poussette. Hein. Non, mais elle peut tenir combien de poids? Parce que c'est important, c'est le poids. Non, mais le poids, j'en sais rien. Ils sont gros, en fait, les deux. On mettait nos enfants dedans et puis voilà. Bah là, c'est pour mettre les Bogdanov, là, quand même. Et d'ailleurs, c'est eux que vous avez au téléphone. J'ai autre chose à faire que d'entendre des plaisanteries. Et bah c'est Igor et Grishka qui vous parlent. Non, c'est vraiment nous. Vraiment. C'est vraiment nous. On cherche une poussette, ça fait longtemps.
On est sur Rire et Chanson, c'est une émission un peu loufoque. Et c'est vraiment les frères Bogdanov qui vous parlaient. Voilà. On va vous envoyer un cadeau pour vous remercier, non pas de votre patience, mais de la drôlerie de l'appel. Voilà. Un lot de 3 DVD d'humour, Bigard, Les Vamps et L'Empiafé. Vous êtes contente? Pas du tout, non. Ah, j'adore! Excellent! Bravo! Ah, bravo! Gérald, bonjour, ta question. Salut Laurent, j'ai une question pour Marc Mercadier. C'est maintenant. Oui, j'écoute. Marc, je crois savoir que vous êtes une passionnée des animaux. Combien d'animaux avez-vous eu dans votre vie? On compte pas dans les morpions, hein. Oui. Dans ma vie, j'ai eu un rat. Alors, j'avais en principe 8 poulinières. Et c'est vrai que. Qui m'ont fait plein de petits. C'est vrai que sa femelle se dilatait, non? Non, pas du tout. Tu l'as chanté à une époque, ça? J'ai la rate qui se dilate. Non, c'est pas toi, c'est Ouvrard. Voilà. Guillaume, bonjour, ta question. Salut mon Lolo, j'ai une question pour les frères Bogdanov. Tout à l'heure. Les jeunes, comment ça se passait? Eh oui, papa, il travaillait à la mine et c'était dur pour lui. On va faire un ni allô ni bonjour. Pascaline, il y a combien dans la cagnotte? Alors, il y a exactement 2 533 875 € à gagner. Je triple cette somme. Oh merde. Alors, ce qui nous donne 760 millions. Non. Oh non, 7 milliards, 601 millions, 625. Bravo, 7 millions. Bravo, faut la... Pascaline, enfin. 7 millions, on dirait Julie, Pascaline. Oh non, faut la mettre à la Banque de France. Oh non, c'est bien. On va pas la mettre à la Banque du Sperme. Arrêtez de me taper maintenant. On l'a déjà mis à la Banque du Sperme, on l'a pas réussi. Il y a combien, Pascaline? 7 millions, 601. Oh, quel dommage, madame. Dommage. Oh, la gourdasse. Bonjour, c'est Laurent Baffy sur Rire et Chanson. Bravo. C'est quoi votre prénom? C'est une plaisanterie débile. Non, pas du tout, on est vraiment sur la radio. C'est dommage. Je vous explique, je vous appelle pour un jeu qui s'appelle le ni allô ni bonjour. En décrochant, vous avez dit allô, donc vous avez perdu la cagnotte. Pascaline, il y avait combien dans la cagnotte? Il y avait 7 601 625 €. C'est trop con. Pas trop déçu, madame? C'est pas vrai. ta gueule. Ferme ta gueule, putain. C'est quoi votre prénom? Elle n'en a pas. Ah, alors accroche. Elle n'a pas de prénom. Vous lui demandez, elle n'a pas de prénom. Elle n'aime pas perdre. Elle n'aime pas perdre. Vous écoutez, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Bravo. Aujourd'hui, comme invité, les frères Bogdanov, Marthe Mercadier, Roland McDan, Alain Bouzig. Oh, elle est vieille, celle-là. J'ai pas fait exprès. Jeanne, oh, que tout était dur. La vie était compliquée pour nous. Je sais pas si dans les deux, on allait laver le linge de la voix. Alors, il y a pas mal de personnes au frigo qui attendent pour poser une question à Igor et Grishka. Jérôme, tu fais partie de ce groupe-là? Non, moi c'était pour Marc Mercadier, mais... Pascal, tu fais partie de ce groupe? Voilà, je vous écoute. Caroline. Ah bah, il a coupé. Ah non, je vous écoute. Guillaume. Oui, allô. C'est oui, le moment que vous attendez. Marc, je t'explique. On a fait ta promo, là on va parler du bouquin formidable de Igor et Grishka. Ah, très bien. Alors, il y a deux écoles. Soit tu leur pourris la promo, soit tu t'en vas, soit tu respectes. Quel est ton choix, Marthe? Ah, je ne fais pas de choix. Je ne fais pas de choix. J'attends ce qui va se passer. Et là, on va beaucoup rire. Alors, on va parler d'une époque que tu as bien connue. Oui. Les dinosaures et leur disparition. Ah oui. Oh. Igor Grishka, un bouquin énorme, colossal, avec une illustration magnifique, Le dernier jour des dinosaures, aux éditions de La Martinière. Ça ne coûte que 32 €. Franchement, je pensais que ça allait coûter beaucoup plus cher que ça. Ça vaut beaucoup plus cher. Alors, Marthe, la prochaine étape, c'est ma main dans ta gueule. Hein. Maintenant, c'est toi qui gères. Non, mais elle a dit une très très bonne chose, là. Ça vaut. Après, c'est toi qui vois, c'est à ta convenance. Hein. Donc, avant de parler de votre livre, je vous connais bien, vous êtes des amis, je vous ai reçu maintes et maintes fois, donc je connais votre propension à partir comme ça, avec des phrases qui n'en finissent plus. Donc, vous allez faire le serment d'hypocrite. On va faire court. Levez la main, les deux. Même les deux mains. Lolo, je jure. De faire des réponses courtes. Et claires. Sous peine d'être interrompu. Ou coupé au montage. Ou pire, coupé au montage. Alors, on va commencer dans l'ordre. Il y a plus de 13 millions d'années, c'est un mardi matin, le Big Bang.
Ah non, ah non, c'est pas, c'est pas 13 millions, petite erreur là. Petite erreur. Ah ben ça oui. Commence bien. Ça commence. Je triple cette somme. Ça commence bien. Il fallait que ceux qui nous écoutent, là, 13 millions et demi. 400 millions. 13 milliards 400 millions. Voilà. 13 milliards 750 millions. Ah, j'ai 800 au fond. Voilà. 750. Alors, Big Bang. Big Bang. C'est-à-dire, en fait, naissance de l'univers tout entier. Bien. Avec... Bien. C'était concis. Bien. Concis. Il y a 3 milliards 800 millions d'années, la vie l'apparition commence. De la vie sur Terre. La vie voilà. Alors, il y a une sorte de bouillasse chimique, une sorte de soupe. Oui. En fait, alors, je rappelle les proportions pour 4 personnes. Il faut quoi ? En fait, il faut quoi ? Il faut de l'ammoniac. D'accord. De l'azote. De l'azote. Ouais. De l'oxygène. Oxygène. Et de l'hydrogène. Et peut-être un peu les quantités d'électricité. Mais pourquoi peut-être. Par exemple. L'électricité, oui, absolument, mais qui est fournie par les orages primordiaux qui se déchaînent partout à la surface de la jeune planète Terre de cette époque-là. Et donc réaction chimique, on imagine qu'une bactérie... Mélangée au soleil. Attends, tu prends pour un con, quoi. Je l'avais mis, le soleil. Hein. Donc, la vie, ça commence par quoi ? Du lichen ? Une mousse ? Non, ça, en fait... Ça commence par des choses très, très simples. Très simples qu'on appelle des archéobactéries. Avant, les archéobactéries, c'est les acides aminés, c'est-à-dire donc des choses extrêmement... On dit les acides dominés, hein, essayez de parler votre langue, hein, d'accord. La capsule Apollo, la grosse bite, adieu, hein, on parle français, d'accord. Ensuite, le cambrien. Acide aminé, première cellule, et puis... Deuxième garde à vue. Oh non, c'est intéressant. Oh, merci, Marc. Oui. C'est chiant. Mais la grande aventure du vivant commence. Et par palier de complexité croissante, on va aller jusqu'à des créatures évoluées, qui ne sont pas forcément conscientes, mais qui sont déjà de grandes créatures organisées donc, en milliards de cellules. C'est-à-dire, en fait, ce sont, après les insectes, ce sont les dinosaures qui vont arriver sur la Terre et la dominer pendant 160 millions d'années. Si je résume votre pensée, des cellules se sont créées, puis elles ont eu l'idée de s'associer. Voilà. En disant, toi, tu vas faire les organes, ce dont tu parlais dans un sketch, très malin, rejoint. Très bien renseigné, surtout, bien sûr. Très bien renseigné, parce que c'est vrai, j'ai vu son sketch et c'est absolument remarquable. Toi, ta gueule. Voilà. Toi, ta gueule. Viens, mon secours. Gueule, la vieille, ta gueule, ferme bien ta gueule. Voilà. Il y a 65 millions d'années, il y a eu un accident terrible au Mexique. Oui, à Chicxulub. Chicxulub. Exactement. Tu vois le Club Med ? Juste à droite, t'as le Chicxulub, qui est un petit club, tu vois, avec une piscine, un truc. Un petit club échangiste. Un petit club, voilà. Et là, il y a une météorite géante qui a tout pété ça en mer, là. Oui, il faut imaginer ce qui s'est passé à cette époque-là, parce que les habitants de la Terre qui régnaient là depuis 160 millions d'années, ils étaient là, les dinosaures, donc des grandes créatures. Il y avait là-dedans, par exemple, les tyrannosaures. Les tyrannosaures sont des créatures incroyables, qui mesuraient à peu près 10 mètres d'eau, qui étaient extraordinairement armés pour consommer de la viande. En fait, ils, à chaque repas, ils avalaient plusieurs tonnes de viande par repas. Ces êtres ont été anéantis dans un temps extrêmement bref. Ils ont vu arriver d'abord une petite lueur dans le ciel. Ils croyaient que c'était le frigo qui était ouvert. Ils pensaient que c'était une espèce une étoile, comme les autres. Malheureusement pour eux, cette lueur a grandi, elle a grandi extrêmement vite. Elle a fini par envahir tout l'horizon. Ceinture d'astéroïdes. Oui, exactement. C'était en fait un objet qui venait de la ceinture des astéroïdes et qui mesurait 10 km de diamètre. En fait, 10 km de diamètre, on a l'impression que c'est pas grand-chose. Pas grand-chose, mais quand tu prends sur la gueule, ça fait mal. Quand ça tombe sur la Terre à une vitesse phénoménale, eh bien ça provoque une catastrophe qui n'est pas seulement locale, mais un objet de 10 km a détruit la vie sur toute la planète toute entière. Bon oui. À ce point-là, ça a fait un cratère énorme, ça a mis des volcans en éruption. Ça a créé une vague. Ça a caché le soleil et on est rentré dans une période glaciaire terrible. Voilà, exactement. Donc 2000 mètres de haut, la vague est gigantesque. Elle a évidemment balayé le continent. Tous les animaux qui étaient évidemment à bord du continent ont été rayés de la carte. Et puis ensuite, ça a créé une nappe de feu, ce qu'on appelle un plasma, qui était extrêmement brûlant. Et j'étais pris d'ailleurs, sur des plasmas, dites-moi avant. Et cette seconde catastrophe,
catastrophe qui était donc la brûlure complète de toute vie, pratiquement sur toute la Terre, sauf quelques petites régions, a été ensuite suivi d'une troisième catastrophe qui est le fait que les poussières qui ont été déclenchées par l'arrivée de ce bloc inouï a obstrué d'abord effectivement les basses couches puis les hautes couches de l'atmosphère et ensuite c'est pas les mêmes, on a plongé dans la nuit nucléaire. On peut dire que la catastrophe de... Non, c'est formidable ce qu'il raconte, c'est formidable. C'est un programme aléatoire, la vieille. Et donc... Mais t'es insupportable, là, moi je t'aime beaucoup, mais t'es insupportable. Marthe, tu vas t'en aller. Il y a eu des statistiques, elle répond la 17e fois. Je vais t'offrir le livre, parce qu'il est formidable et tu vas le regarder avec tes petits-enfants. Oui. Je t'offre le livre, c'est le mien, je te l'offre. Merci. Ah bah non, comme si il est beau. Tiens, non. Mais non, mais ils vont m'en offrir un autre. Mais oui, on en offre un autre. Non, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Oh, merci. Il y a eu des animaux incroyables. Incroyables, là, vraiment. Ouais. C'était l'imaginaire était au pouvoir. Par exemple, le Tripotanus qui vivait exclusivement dans le marais. Non, mais c'était un animal étonnant. Marthe est révoltée et elle dit que c'est absolument invraisemblable. Le Geneviève de Fontenus, qui est quand même un chapeau à l'époque. Non, c'est formidable ce qu'il dit. Ouais. Ouais, merci, Marthe. C'est fini, Marthe. On fait leur émission. Non, on va les applaudir parce que c'était formidable. Merci. Bravo. Le bouquin est pas cher en plus. Mais prenons des dinosaures au hasard, par exemple, le Deascasaurus, il paraît qu'il enculait ses proies avant de les bouffer. Oui, c'est triste. On a retrouvé des traces d'un dinosaure qui s'appelle l'émission très vite. Hein, il a abandonné. Le Microsarco. Alors, parle-nous de ce petit dinosaure sur ta lunette. Ah oui, qui est extrêmement agressif, mais qui a su s'adapter lui aussi à son environnement. Il y a plein de questions pour vous, les enfants. Muriel, bonjour, ta question. Bonjour à tous. J'ai une question pour les frères Bogdanov. Bonjour. Est-ce qu'ils pensent qu'un jour on pourra prouver l'existence de Dieu? C'était votre ouvrage précédent. Il vaut mieux poser la question autrement. À ta place, voilà ce que je demanderais. Est-ce que l'univers... Et d'ailleurs, ça répondra partiellement. Ouais. Mais est-ce que l'univers est né par hasard ou pas? Et aujourd'hui, notamment grâce aux observations des satellites astronomiques comme le satellite Planck, on est arrivé à montrer que finalement, à l'origine, au voisinage du Big Bang, eh bien, le hasard est complètement exclu. Ce qui répond partiellement... À tes yeux. Voilà, exactement. Exactement. Marthe a fait... Mais bien sûr. Voilà, exactement. Igor le Grishka. D'après les paléos... Le hasard. Les paléos... Ben voilà, exactement, le hasard. Marthe, tu es croyante, telle est ta foi, et donc tu es heureuse d'entendre ça. Oh, mais heureuse du livre, heureuse dans le micro, Marthe. Dans le micro. De temps, de talent, de temps, de pignâtreté, de ça. Ils nous font honneur, on doit les remercier de ne pas nous... Et s'ils avaient tort, Marthe, comme on est. Marthe, s'ils avaient tort, c'est impossible. Avec tout ce qu'ils viennent de nous raconter, les amis, les paléo-anthropologues disent qu'on est quand même le fruit du hasard. On leur a soufflé ça. J'ai discuté avec Pascal Pic, qui est paléo-anthropologue, il dit que le hasard a joué une grande importance dans l'existence. Le hasard n'existe pas. Mais bien sûr que si le hasard existe, c'est lui qui mène nos vies. Ferme ta gueule. Ça n'existe pas, le hasard. C'est un mot arabe. Le mot n'existe pas. Comme le mot. Il a été détourné. On le sait maintenant. Merveilleux. Tu crois qu'il y a encore des gens qui vous écoutent? Je vais quand même. Je vais quand même juste répondre à la question que vous soulevez, qui est vraiment intéressante. Arrêtez de soulever des questions, là. Mais tu crois au hasard, Marthe? Tu ne peux pas laisser les gens. Ils ont tous les deux raison. Marthe, tu crois au hasard? Ils ont tous les deux raison. Ah non, c'est le quoi, hasard n'existe pas. C'est une invention de l'homme. Et pas la meilleure. Pas la meilleure invention. C'est un détournement d'un autre. Non, mais je crois que tu voulais répondre à une question. À un certain sens, mais pourquoi tu ne crois pas au hasard, Marthe? Non, mais parle dans le micro, parce qu'on t'entend pas assez. C'est un mot détourné.
détourné. Mais tous les mots sont inventés. Détourné de quoi? Non, mais c'est détourné. Mais détourné de quoi? C'était détourné de fondamental. Parce que... De quoi? C'était fait pour ne pas être dévoilé, pour ne pas, je ne sais pas pourquoi, non. Mais ah bon. C'est le hasard, le mot hasard n'existe pas. Mais il est dans le dictionnaire, à la lettre non, H. Bah oui, bah bien sûr, comme toutes les conneries hasard. Qu'on entend, qu'on voit, qu'on lit. D'accord. Non, le hasard n'existe pas. Bon, moi je vais vous laisser. Le mot hasard n'existe pas. Pascal, tu crois au hasard? Très bien, ouais, mais... oui. Jérôme, ouais. Tu crois au hasard? Oui. Pierre, tu y crois au hasard? Non. Oui, j'y crois. Oui, j'y Richard, crois. Tu crois au hasard? Oui, bien sûr. Éric, tu y crois? Moyen. Guillaume. Moyen, pareil. Tout le monde y croit. Tant pis pour eux. Hein. Tant pis pour eux. Non, mais pour conclure là-dessus, peut-être. Pour conclure cette affaire du hasard, il faut distinguer deux plans. Il y a le plan global et le plan local. Et là où, effectivement, tu as raison. C'est-à-dire que localement, par exemple, quand on parle de la vie sur Terre, il est vrai que la sélection naturelle, le phénomène darwinien, ça existe. Crois, et ouais. Donc le hasard opère à l'échelle terrestre. C'est ce que disait Darwin. Mais bien entendu, Darwin. Et là-dessus, il y a deux émissions en même temps. Pourquoi ça me passionne, ça? Il y a deux courants, là. Non, mais c'est vrai. De ce point de vue-là, on peut considérer que le hasard existe localement. Un argument, mais globalement, non. Parce que quand on remonte à l'échelle cosmologique, c'est un échelon qui est beaucoup plus global, le hasard est totalement exclu. Il faut le savoir. Pour quelle raison, alors? Et pour des raisons simples. Bah oui, si c'est alors, simple, ça vaut le coup d'en attends, parler. Pardon, ouais. Mais vous croyez que cette émission est le fruit d'une intelligence quelconque? Ce sera un hasard. C'est un hasard. C'est un pur hasard. C'est un pur hasard. Vous écoutez, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? C'est quoi ce bordel avec les frères Bogdanov, Marthe Mercadier, Roland McDan et à la musique. Pascaline. Je sais pas si je voulais raconter tout ça. Oh ta gueule. Ta gueule. Et Pascaline Selem, tu es la sœur de Pascal Selem, mais il joue au théâtre en ce moment. Oui, il joue en tournée en ce moment. Tu le vois pas en ce moment? Non, je le vois pas beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il tourne beaucoup. Il fait le quoi? Le clan des héritiers. C'est complet tout le temps? C'est complet tout le temps. C'est une adaptation du Noir te va si bien. Et c'est avec Grâce de Capitani, le pauvre. Sinon, il est aussi tous les jours sur France 3 dans Paris Vermus, Paris Cactus, à 13h. On va appeler ton café, au Banana Café aussi, au Banana régulièrement. Grishka. Oui. Yes. Husky, né le 20 mars, vacciné, vermifugé. Par hasard? Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Je vous appelle pour l'Husky. Oui, on en a deux disponibles, oui. Moi, j'en veux un qui s'appelle Grishka. On avait un Grishka. Ah, ben. Vous l'avez et vous l'avez fait piquer. On l'a pas fait piquer, non. Ah. Vous avez pas un cul de portée, hein, Igor? Mais enfin, on en a des disponibles, qu'il est possible de les baptiser ainsi. Mais non, il faut un Grishka. Il faut l'original. C'est les frères Bogdanov qui vous parlent, monsieur. C'est une blague? Pas du tout, non. C'est la radio, rire et chanson. Ah, on en avait, hein, effectivement. C'est vraiment Grishka qui appelle Grishka. C'est vraiment Grishka. Pourquoi l'avoir baptisé comme ça? Par admiration? On cherchait des noms phonétiquement assez, comment dire, assez basiques, assez simples, assez... C'est vrai que c'est basique. Il n'y a aucun rapport. C'est ma fille. C'est ça. C'est par hasard que vous l'avez appelé comme ça. Pas du tout. Je peux vous promettre, si vous voulez, l'année des B va arriver, on va peut-être les appeler Bogdanov. Ah. Et ma fille, non? Bogdanov au pied. Non, au menton à la rigueur, mais... Combien coûte un Grishka? Oh, un petit peu plus cher qu'un Igor. Hein, ça. Ouais. Qu'est-ce qui justifie la différence de prix? Rien du tout, c'est le hasard total. Le hasard n'existe pas. Marthe, c'est un peu du hasard. C'est possible. Explique. On va vous envoyer des cadeaux pour vous remercier de votre gentillesse, monsieur. D'accord, ok. À bientôt, merci. Merci, au revoir. Chloé, ta question. Oui, bonsoir, Marc Mercadier. J'aimerais savoir si vous croyez au hasard, s'il vous plaît. Non, pas du tout, madame. Pas du tout. Je trouve que c'est une escroquerie et même le mot hasard est inventé. Voilà. Vous posez cette question par hasard ou pas? qui s'est intéressé donc à l'histoire de l'univers, qui s'appelle Fred Hoyle, qui a dit l'univers est un coup monté. Mais bien sûr. Et puis Einstein a dit une chose très jolie. Il a dit le hasard, c'est le masque que porte Dieu quand il veut passer inaperçu. Incognito. Ah, c'est super.
c'est joli. Moi, je suis content d'avoir fait l'émission des frères Bogdanov. Ouais. Quand il veut passer inaperçu. Ah oui, c'est, mais c'est magnifique. Mais ça, c'est beau. Hein. Ah mais oui, c'est génial. Il y a des questions pour Roland. Einstein. Ah, dis, commence pas, toi. Je voudrais que tout le monde réponde à ces questions-là. C'est des questions que Roland se pose. Le père d'un curé appelle-t-il son fils mon père? Bah oui. Bonne question. Bah bien sûr. Une question de... Mais il le fait par hasard. Bah pourquoi pas doublement. Doublement si le curé est marié. Si non, je c'est dors, rare, ça quand même. Si je dors et que je rêve que je dors, est-ce qu'il faut que je me réveille deux fois? Non, ça j'adore. Non. Les sourds quand ils pètent, est-ce qu'ils savent que ça fait du bruit? Non, mais ils le sentent. Quel est le synonyme de synonyme? Ah, les bonnes synonymes. Synonymes. Ah, bien, synonymes. Les bonnes, oui, celle-là. Parce que ça... Tu vois, celle-là, j'aurais aimé la faire, celle-là. Oui. C'est bien. Mais il n'y a pas de réponse, alors. Bah non. Sinon, ça n'a aucun intérêt, Laurent. Il faut que tu comprennes, quand même. Est-ce que le diable a eu une enfance difficile? On espère. Oui, pourquoi il est devenu méchant comme ça? Eh ben parce qu'il a eu une enfance difficile. Combien faut-il manger de chocolat, mon chéri, pour prendre une cuite? Ah, ça, c'est je crois pas si bien dit. J'adore ça. Parce que c'est moi, vrai, c'est vrai. Une boîte était défoncée. C'est vrai, mais c'est vrai. Je te jure. C'est vrai. Ouais, c'est pas parce qu'il y a du chocolat. C'est ma tournée. On est ivre mort. On est ivre mort. Les mecs au bar, chacun avec sa boîte de mouche. Aline, vite ta question, c'est la fin. Oui, bonjour. Cette question est pour Marthe. Oui. À savoir si elle croit au hasard. Déjà dit. Non. Déjà absolument dit. Pas. Jamais. On t'embrasse. Jamais, Aline. C'est une escroquerie. Bonjour Francis, ta question. Pour les frères Bogdanov. Alors, dans l'hypothèse pour l'extension de l'univers, suit une équation prise par la relativité générale, comment savoir que l'air dans la de Planck situé immédiatement après la varice de l'univers. Bonne question, bravo Francis. Très bonne question. Et tu gagnes le bouquin des Bogdanov, moi. Francis. Oui. Non, mais il a et le coffret de Roland Magdan et le livre de Marthe Mercadier. D'accord. Alors, votre réponse, les enfants. Mardi. C'est la fin de l'émission. Marthe, comment tu as vécu ça de l'intérieur, toi, cette émission? De surprise en surprise. Et maintenant, je suis éblouie. Ébloui de tout ce que j'ai appris de ton geste merveilleux de m'offrir ce livre, de ces deux hommes que j'aime infiniment depuis longtemps, et on se croise hélas, mais c'est un moment formidable. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Ma petite Marthe. Roland, tu es consterné, tu pleures depuis 20 minutes. J'ai vécu l'enfer. Si c'était à refaire. Ouais. Non, moi j'ai beaucoup aimé les frères Bogdanov aussi. Ça, j'ai appris énormément de choses. J'ai rien compris ce qu'ils ont dit, mais ça m'a plu. Enfin, on va terminer. Donc, pas de promo, on s'en branle. Le clan des héritiers, avec Grâce de Capitanie en tournée, Paris Vermus, Paris Cactus, sur France 3 tous les jours. Marthe, on va terminer avec un dernier jeu qui s'appelle le Passe-moi l'autre con. Ah, tu connais le principe? Non, pas du tout. Allô? Passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle gagne un très beau cadeau. Ah, très bien. Ah là, je suis contente un pour prénom. Elle. Comme maman a fait, de toute façon, j'ai suivi son chemin. Qui hein, a j'ai gagné. Travaillé comme maman. Hein. C'est alors toi, Marthe, qui va désigner la gagnante ou le gagnant. Est-ce que tu penses que Paulette a été méritante? Paulette, c'est Marthe Mercadier. Oui. Paulette, t'as gagné. Alors, qui vote pour Paulette à la table? Non, je vote pour Paulette. Ouais, je vote pour Paulette. Tu votes pour Paulette? Paulette, t'as gagné. Paulette, t'as gagné un jeu. Non. Paulette, t'as gagné. Paulette, t'as gagné. T'as gagné, Paulette. Bravo, Paulette. Paulette, bravo, Paulette. Bravo, oui, t'as gagné, ouais. Paulette. Oui. Paulette, tu as gagné une PlayStation 3. D'accord, merci. Merci beaucoup. Comment tu te sens après une heure de Mister Chatch? Ah, j'ai mal à la gorge, là. Hein. J'en peux plus. T'as été formidable. Merci. Tu fais chier, ferme ta gueule. Jean, t'as paumé. Ferme ta gueule. T'as perdu un temps. Mais tu ne pars pas les mains vides. Ferme ta gueule. Elle a pas. Ferme ta gueule, putain. Elle a pas une photo numérique. Ta gueule. Ouais. Je sais pas. Tu l'entends pas. Donc je dis ferme ta gueule. Dans le doute, je dis ferme ta gueule, quoi. Dans le doute, ta gueule. Voilà, là, c'est quoi ce bordel avec les frères Bogdanov, Marthe Mercadier, Roland, on fait pas ça. Merci, Marthe Mercadier. Merci, Marthe Mercadier. Merci, Roland Magdan. Merci, Igor Igrushka Bogdanov. Merci.
Alain Bouzigue. Alain Bouzigue. Merci Laurent Baffi. Merci Laurent Baffi. Merci Laurent Baffi. Allez, au revoir.